Grande sœur, qu'est-ce qu'il y a? Grande sœur, peux-tu me prendre de l'eau à boire? J'ai soif. Donc je dois me tuer, ou soit je dois voler, parce que tu as soif. Hein? Si tu as soif, lève-toi et va te trouver de l'eau, espèce de folle. Grande sœur, c'est ma dernière demande. Je ne vais plus te déranger. Cette dernière demande. T'es chanceuse parce que je suis de bonne humeur. S'il te plaît, grande sœur, je ne voyais pas les gobelets. Tu n'as pas vu voir quoi? Tu n'as pas vu le gobelet? Pourquoi as-tu fait ça? Donc tu m'as déplacé d'ici jusqu'à la maison pour que j'aille te prendre de l'eau pour que tu puisses enfin les renverser. Pour qu'est-ce que tu te prends? Espèce d'aveugle. Hein? Tu m'as déplacé, tu m'as fait sortir d'ici jusqu'à la maison pour que tu puisses renverser de l'eau par terre. Hein? Stupide fille, je vais te frapper aujourd'hui. Idiote. Prends ça. Prends les gobelets. Prends de l'eau que tu m'as demandé. Vas-y, bois. Pourquoi tu ne bois pas? Sorcière. Je vais te tuer aujourd'hui. Tiens, Maka. Attends, tu verras. Tiens, Maka, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et pourquoi tu la frappes ainsi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es tombée? Mais c'est vraiment comment elle fait tomber au sol. Et juste parce que je fais tomber l'eau qu'elle m'a amenée par mes gardes. Ah, non, c'était trop méchant. C'est pour cela que tu l'as fait tomber. Lève-toi. Vas-y, tourne-toi. Avec la cécité. Idiote. Pousse-toi là-bas. Regardez-la. Regardez-la, aveugle. Ne viens plus me déranger avec tes absurdités. Comme je vous l'ai dit, les choses ont changé. Et j'espère que vous tous allez obéir aux instructions que j'ai données. Papa, je ne comprends pas où. Et qu'est-ce que tu ne comprends pas? Comment peux-tu dire que c'est seulement Chidima qui doit faire la vaisselle et puiser de l'eau dans cette maison? Ne vois-tu pas qu'elle est aveugle? Bien sûr que si. Je sais qu'elle est aveugle. Mais la dernière fois que je me suis renseigné, si je peux me rappeler, je n'ai jamais été la cause de son état. Ah, papa, c'était vraiment méchant. Tu sais qu'elle ne peut rien faire d'elle-même. Les travaux ménagers dans cette maison doivent être partagés entre moi et Amaka. Aussi, n'essaie surtout pas. C'est quoi cette bêtise? N'essaie plus jamais de mentionner mon nom. Enoria? N'importe quoi. Enoria, il faut boigner. Hein? N'ose plus jamais. Est-ce que tu te rends compte que tu parles à ta grande sœur? Hein? Non, mais comment est-ce que tu veux qu'elle puisse faire tous ces travaux ménagers du moment où elle a des petites sœurs? Hein? Laisse-moi te demander. Est-ce que tu te rends compte de l'argent qu'elle contribue dans cette famille? Est-ce que tu connais son apport financier dans cette famille?
Et je pense que vous deux allez faire ces travaux ménagers exactement comme je vous l'ai instruit. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. Papa, tout ce que je sais est que elle est toujours sous le toit de notre père. Et elle doit faire quelque chose. Et aussi, nous savons tous dans cette maison les genres de travail qu'elle fait. Elle pratique la prostitution. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hey! Il a faut que ça batte sur toi. Si tu oses encore ouvrir cette chose que tu appelles bouche et faire sortir de telles bêtises, je vais te donner une très bonne chiffre. Apaise-toi, ma fille. Ce ne sont que des petites sœurs. Apaise-toi, ma fille. Elles ne savent pas ce qu'elles disent. C'est quoi ce manque de respect? Elles ne savent même pas à quel point tu leur viens à l'aide. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais calme-toi, Wu. Calme-toi, ma chère. Choma. Hein? Écoute-moi très bien. Si tu le veux, appelle ça Akuna. Si tu veux, appelle-la prostituée. Et si tu le veux, appelle-la Achao. Et si tu le veux, appelle-la Wo. Et si tu le veux, appelle-la Kombontesam. Et si tu le veux, c'est encore quoi l'autre, non? Quoi qu'il en soit, c'est bien pour moi. Je l'aime comme ça. Est-ce que vous savez que c'est cette fille qui apporte de l'argent dans cette famille? Oh. Hein? Tout ce qui est important ici, c'est qu'elle trouve de l'argent pour mettre de la nourriture sur nos tables. Obrezekune. Imagine. Ne l'écoute pas. Écoute-moi plutôt. Mes ordres demeurent. Tu as des mains. Tu dois puiser de l'eau. Et assure-toi que les récipients soient toujours pleins. Et tu dois faire la vaisselle. Et surtout, je ne vais voir aucune assiette sale dans cette maison. Toi, tu dois nettoyer la maison. Il faut nettoyer partout, partout. Il faut bien nettoyer la maison, oh, incluant la chambre d'Amaka. Tu dois nettoyer sa chambre, laver tous les habits et nettoyer aussi la table, arranger son lit. En fait, j'ai oublié. Aussi, laver tous ses habits, regarder ses habits-ci. Et les repasser très bien. De telle sorte qu'elles soient propres et surtout présentables. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? De telle sorte qu'elles soient vraiment au point pour aller rencontrer ses clients. Papa, et surtout des habits, mes habits sexy que je porte souvent pour aller rencontrer. Oui, mes oui. Mes clients spéciaux, donc de boss, je veux dire. Tu comprends? Des grands patrons. Oui, papa. Comme ça, ils iront oui, le ventre. Oui, c'est ça. Vous entendez? Et je voudrais que tu sois beaucoup trop sexy. Et surtout, tu dois faire le sport. Et après les avoir lavés, repassez-les attentivement. Assurez-vous que ça ne puisse pas brûler ces habits. Parce qu'une fois que ça brûle, je vais vous brûler, vous. Adabou. Papa. Adabou. Adam. Et Boni. Hein? Osonien, mais. Qu'on aurait également. Amazebo. La chose la plus importante, c'est que tu nous ayons à manger. Loudia Ozo. Papa, je ne ferai pas ça. Ah, tais-toi. Mais c'est quoi ton problème ce matin? Je vais te couper cette bouche. Quand elle ira faire ces choses, elle reviendra le faire. Tu es du mauvais côté, oh. Je vais te frapper, oh. tu es vraiment du mauvais côté. Fais exactement ce que je te dis. Ne me cherche pas. Nettoie toute la maison. Et elle apprendra comment puiser de l'eau. Et quand elle commencera à y aller une ou deux fois, elle va maîtriser le bon chemin. Elle saura où il y a la pierre et où il ne faut pas y piétiner. Elle va s'y prendre. Et quand elle va commencer à faire la vaisselle, le couteau peut la blesser même une ou deux fois. Et la troisième fois, elle aura appris. Elle va commencer à bien faire les choses. Hein? Et après tout, elle ne contribue en rien dans cette maison. Laisse quand même que ceci soit sa contribution. Non? Et en quoi est-ce que vous prenez ça en mal? Laissez-moi vous demander. Qu'est-ce que ça s'est cité à avoir avec ses mains? Est-ce que ça affecte ses jambes? Est-elle aveugle avec ses jambes ou ses bras? N'est-ce pas avec ses yeux? Bon, c'est d'accord. Papa. Ne m'appelle pas papa. Ekeya Bougon. Ne m'appelle pas papa. Hein? Vous ferez exactement ce que je dis. Ça, c'est très simple. Y a-t-il quelque chose de difficile dans ça? Tu as bien dit, hein? Papa. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile là? J'espère que cette réunion est terminée. Oh. Veillez à faire exactement ce que je vous ai dit. Mais papa, ce n'est pas juste. Et ça m'est égal. Comment tu vas? Je vais bien. Il fait déjà très chaud. Chiamaka! 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 Où est cette fille? Bon après-midi, Mao. Où est-elle? Où est ta soeur? Elle est à l'intérieur. Appelle-moi. Amaka! Bien. Yeah. Amaka! Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un te cherche ici, oh. Comment tu vas? Il semble que tu es en train de chercher ma fille. Maziaku, ça ne va pas. Je suis venu voir ta fille. Appelle-la pour moi. Ma fille. Elle arrive.
Kamo, Chiamaka. Papa? Elle est là. Oui, viens, viens. Qu'est-ce qui se passe? Amaka, peu importe comment on t'appelle. Écoute-moi, je ne veux pas du tout de problème dans mon foyer. Reste loin de mon mari. Il est à moi seul. C'est lui le père de mes enfants. Je crois que tu me comprends. Je ne veux pas du tout de problème. C'est pourquoi tu me frappes? C'est quoi le problème? Apaise-toi, c'est quoi ton souci? C'est pour ça que tu es ici? Hein? Hé, hey, c'est donc comme ça que tu réagis. C'est donc tout le monde. Donc c'est vrai que tu ravis les maris de gens. Prostituée, légère que tu es. Tout ce que tu sais faire dans ces villages, c'est de courir derrière le mari de gens pour coucher avec eux, pour bénéficier de tous leurs biens, y compris leur argent. Laisse-les prendre soin de mes enfants. Arrête de l'embrouiller. Tu m'écoutes? Reste loin de mon mari, je ne veux pas de problème. Écoute, madame, es-tu venue jusqu'ici pour m'insulter? Tu as quitté la maison de ton mari jusqu'ici pour m'insulter? Hein? C'est quoi cette bêtise? Tiens, Maka, peu importe comment on t'appelle, à cause de toi, nous commençons même à manquer à manger à la maison. Toujours à cause de toi, tiens, Maka, mon mari ne me touche plus. Il est là 3 mois. Il ne me touche plus à cause de toi. Biko, tu n'as qu'à aller te trouver un homme. Laisse le mien. Je crois que je me fais bien comprendre. Laisse ma famille tranquille. Madame, s'il te plaît, mais de qui es-tu en train de parler? Qui est ton mari? Dis-moi. Tu ne le reconnais donc plus? Tu ne les reconnais plus? Ne connais-tu pas Nduka? Ah, Amaka, tu souffres. Amaka, tu es en train de souffrir. Attends un instant. Il s'agit de cet Nduka que je connais, cet électricien. C'est bien lui? Oui. Oui. Légère que tu es. Ah, Amaka, tu auras tout vu. Attends. Cette chose, cette ordure, c'est lui que tu appelles Marie? C'est Nduka? Cette chose répugnante, bon, rien. C'est lui que tu appelles mari? Cet idiot qui me supplie jour et nuit. Il me supplie pour que je puisse lui faire goûter à ma sauce. J'essaie tant soit peu d'être poli envers lui. Hé! Maintenant, le fait qu'il refuse de te toucher, probablement c'est parce que tu sens mauvais. D'ailleurs, il m'a dit que tu puais de l'intérieur. Tu sentais mauvais. Et pour couronner le tout, tu es très âgé. C'est la pure vérité, madame. Tu es beaucoup plus âgée, madame. Alors, en quoi est-ce ma faute? Je n'ai rien à faire avec cette chose que tu appelles mari. S'il te plaît, aide-moi à lui demander de rester très loin de moi. Une famille maudite. Vraiment? Oui. Ok. Tu peux donc le reconnaître devant tout le monde? Et il faut qu'il y ait un coup. Tu as le courage de le dire. C'est donc ça ce que Nduka t'a dit? Ok. Peu importe ce qu'il t'a dit. Tout ce pourquoi je suis là, c'est pour te dire de rester loin de mon mari. C'est tout ce que j'ai à te dire, Biko. Noma, qu'est-ce que c'est, Nao? Qu'est-ce que c'est? N'as-tu pas entendu ce qu'elle a dit? Mais est-ce que tes oreilles étaient bloquées? Ma fille t'a clairement dit qu'elle n'a aucun intérêt sur ton mari. En quoi est-ce que cela est sa faute? Et d'ailleurs, par-dessus tout, ma fille semble être compatissante vis-à-vis de lui. Et c'est plutôt moi qui devrais me fâcher. Qu'est-ce? N'est-il pas un homme sale? Que cet homme sale est... regarde ma fille. Regarde-la. Elle est noire et belle. Et bonnie. Montre-la. Montre-lui ce dernier Adamo. Montre-lui. Donc c'est vraiment une Nduka, ton mari. Qui court après ma fille. Et par rapport à ça, madame, c'est moi qui devrais me fâcher. Alors, s'il te plaît, ne viens pas molester ma fille ici. En fait, je pensais que c'était toi qui devrais me remercier parce que je n'ai rien fait par rapport à ce qui est en train de se passer. S'il te plaît, n'harcèle plus ma fille encore. Ne l'harcèle pas. Elle est innocente. Incroyable. Je vois donc que c'est toi qui l'encourages à faire toutes ces bêtises. Un vieux homme qui encourage les sottises. Oh, comment ça? Hein? Tu encourages ta fille à aller coucher avec les hommes? Non, c'est vraiment toi que je devais avertir. De toutes les façons que je suis là, j'ai changé d'avis. Dis à ton mari de ne plus jamais approcher ma fille. Si je change d'avis, je ferai du mal à ton mari. Oh. Hey. En fait, Unoma, sors de ma parcelle. Non, mais pas parcellement. Laisse que moi m'appelle dans ma maison ici. Hey. Demeure. Maziako. Même est-ce que cette femme a des oreilles? Je vais m'en aller. Mais sachez que
Vous me verrez ici. Je vous reviendrai. Mais avant que tu ne reviennes. Je vous reviendrai. Avant que tu ne reviennes. Et toi et ta fille, vous paierez le prix de votre péché. Vous le paierez. Tu es une vieille femme. Avant que tu ne reviennes, tout se paie ici-bas. Tu ne feras rien, madame. Avant que tu ne viennes, assure-toi de bien laver cette chose. Pour que ça ne dérange plus les gens vers qui tu iras. Fouille-moi cette dame. Mais surtout, lave-les bien pour ton mari. Comme ça, il s'agira de commencer à accoucher avec toi. C'est rien que le bébé. Je veux en finir avec ton mari. Papa, tu vois cette idée de Lucas? Je vais finir tout son argent. Si tu la récupères, je viderai tout. Il faut bien le cette tirer. Cette femme ne me connaît pas. Elle sera très choquée. Papa, t'inquiète pas. Elle ne pourra plus se regarder devant la glace. Je vais vider tout l'argent du Lucas. Mais fouille-moi cette pauvre villageoise. Qu'est-ce que c'est bon? Tu vas détruire son foyer. Tu me connais, papa. Sorcière, pourquoi est-ce que tu me regardes? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Désolée à toi-même. Pourquoi tu te regardes de cette façon? C'est quoi ton problème? Papa, désolé. Désolé pourquoi? Tu ne sais pas que c'est le cerveau moteur de cette famille? Même tes frais de scolarité. C'est elle qui génère de l'argent pour s'en acquitter. Mais papa, ce n'est pas bien. C'est pas bien, mais tu es folle. Dis encore ces bêtises une fois de plus. Désolé. Adamou, ma fille. Unoma! Unoma! Et pourquoi tu cries mon nom comme un chien fou? Tu oses m'appeler un chien? Hein? Tu as encore pris de l'alcool? Aujourd'hui? Écoute, femme. Va à l'intérieur et tu m'apportes ma nourriture parce que j'ai vraiment faim. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu avais donné l'argent pour acheter de la nourriture? Ou ça te vient pour créer des problèmes? Hé, toi, regarde. Attends. Dis le 1500 naira que je t'avais donné. Qu'est-ce que tu as fait avec? Nduka, viens-tu de mentionner le montant de 1500? Hey! Donc tu veux parler de 1500 que tu m'avais remis pour que je cuisine pour mes enfants et moi? Mais tu peux aller chez cette bonne Aria, cette fille, comment est-ce qu'elle s'appelle? Amaka. Et lui donner le montant de 10 000 lira pour qu'elle fasse ce qu'elle sait faire pour toi. Non. Peu importe. Le 1500 que tu m'avais donné, j'avais acheté à manger pour mes enfants et moi. Et c'est déjà fini. Un homme inutile. Tu oses m'appeler un bon à rien? Attends, mais n'est-ce pas que tu es inutile? Un bon à rien? Un stupide? Dans ma maison? Oui, tu es un homme inutile. Je vais te gifler. Nduka, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te gifler. Tu vas me tuer aujourd'hui. Tu vas me tuer, Nduka. Nduka, tu vas me tuer. Tu vas me tuer aujourd'hui. Une femme stupide, capable de créer la nourriture pour son mari. Une femme fainéante. En tout cas, viens finir ce que tu as commencé. Viens. Bonne soeur. Merci de m'avoir aidée. Chidima, si c'est la seule chose que je peux faire pour te rendre heureuse, alors laisse-moi le faire. Ok, mais ma soeur, pourquoi papa et Amaka me aident de cette manière? Depuis le jour où maman est morte, leur comportement a totalement changé à mon égard. Ma chère, je sais ce qui te dérange. Je ne sais pas pourquoi ils te traitent comme ça. Mais le plus important est que moi je t'aime, ok? Ok, je t'aime aussi.
Chioma, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? La dernière fois que je vérifiais, tu n'étais pas aveugle. Mais écoute-moi ça. La dernière fois que tu as vérifié, je n'étais pas aveugle. Es-tu malade? Oublies-tu que je suis ta grande sœur? Pourquoi es-tu en train de l'aider? Chiamaka, elle est notre sœur et je suis supposée l'aider. Ne vois-tu pas qu'elle est aveugle? En tout cas. Chiamaka, tu souffres. Donc tu as mis le culot de m'appeler par mon nom. Tu n'as plus de respect envers moi. Nous sommes devenus des amis dans cette maison. À cause de cette sorcière d'aveugle. Hey. Lève-toi de cet endroit tout de suite. Chioma, je ne blague pas avec toi. Chiamaka, laisse-moi tranquille. Que je te laisse. Tu abuses de ma patience. Chioma, n'est-ce pas que je t'ai dit de t'élever de cet endroit? Chiamaka, s'il te plaît, laisse-moi respirer. Tu peux le voir, je fais quelque chose. Et où crois-tu aller comme ça? Tu dois me présenter des excuses. Je suis ta grande sœur, tu ne peux pas me parler de cette manière. Es-tu malade? Veux-tu que je te frappe? Chiamaka, je ne peux pas m'agenouiller devant toi et m'excuser. C'est ce que tu dis? N'est pas, mon Dieu. D'accord. Alors, éloigne-toi de mon chemin. Ok, c'est bien ce qu'on verra. Tu es une folle. Tu es vraiment folle. Chiamaka, je t'évite à cause de papa. Oh. Je t'évite à cause de papa. Fais attention, ne me provoque pas. Tu dois me présenter des excuses. Je suis ta grande sœur. Ne me provoque pas. Tu te trompes. Je suis ta grande sœur. Mets-toi à genoux et demande-moi pardon. Allez, vas-y. Ne me provoque pas. Chiamaka. Regardez-moi celle-là. Vous deux, écoutez-moi très bien. La prochaine fois que vous ferez ce genre de bêtises, je vous frapperai, les idiotes. C'est bon, il ne faut pas la suivre, hein? Elle a vraiment perdu la tête. Elle n'osera plus le faire la prochaine fois. Elle ne se respecte même pas, mais elle veut se battre avec moi. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Tu es là. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je mange. Mais bien sûr, je ne suis pas aveugle comme toi. Je peux voir que tu manges. Je t'ai cherché partout. Dieu, tu sais pourquoi je suis contente? Parce que Chioma n'est pas à la maison. Je vais très bien m'occuper de toi aujourd'hui. Je vais te frapper. Espèce de sorcière aveugle. Dans notre très chère famille, il n'y a jamais eu d'aveugle. Mais depuis que tu as débarqué, tu ne fais que nous créer des problèmes. À cause de ta sorcellerie, tu as ôté la vie de ma très chère maman. Ah, grande sœur, je ne suis pas une sorcière. Je ne suis pas non plus du diable. Je parle et tu manges? Tu continues à manger? Idiote! Tu continues à manger, espèce de sorcière. Sorcière aveugle. Tu verras. Sorcière. Je vais en finir avec toi dans cette maison. Allez, lève-toi. Debout. Mets-toi debout, lève-toi. On y va. Avance. Chioma n'est pas à la maison. Tu vas me faire tomber. Allez, avance. Viens avec moi. Viens. Arrête de crier. Personne ne viendra ton secours. Avance. Lève-toi, idiote. Avance. Debout. Debout, sorcière. Avance. Debout. Viens avec moi. Avance. Oui, ça. Lève-moi toutes tes assiettes. Vas-y, fais vite. Celle qui prend ta défense n'est pas l'autre. Allez, vas-y. Vas-y, lève-moi ces assiettes. Arrête d'appeler le nom de papa. C'est pas ton père. Tu es une sorcière. Fais vite. Vite. Je ne blague pas. Si tu ne le fais pas, je vais te tuer aujourd'hui. Sorcière. Vas-y. Lève-moi tout ça. Oui. Fais avec attention. Qu'est-ce que c'est? Oui. Mais après l'avoir lavé, tu le remets par terre?
Mais c'est quoi ce genre de travail? Fais vite, lâche les assiettes. Ne les mets pas par terre. Ne les salis pas davantage. Je risque de te tuer. Je risque d'être tué aujourd'hui. C'est qui que tu appelles, papa? C'est qui que tu appelles, papa de sorcière? Choma n'est pas à la maison. Tu verras aujourd'hui. Tu dois laver ses assiettes à nouveau. Tu dois les laver. Sortir. Prends ça. Tout ça. Ok, comme ça. Fais vite. Papa. Beaucoup. Tu as beaucoup fait. Tu as tué ma pauvre mère. Sorcière. Allez, prends vite cette assiette. Ramasse cette assiette par terre. Prends vite ça. Ça. Cette assiette est par terre. Vas-y, fais vite. Oui, c'est ça. Elle est dans l'eau. Vas-y, sorcière. Depuis que tu es dans cette famille, il n'y a que des problèmes. Pas de chance. Mon gars, hey, si tu avais vu la montagne avant de descendre. Mon gars, si tu vois la montagne d'où je viens justement, tu ne vas pas en croire à tes yeux. Hey, tu dois voir cette montagne, mon gars. Non, mais attends. De quelle montagne es-tu en train de parler? Tu étais allé à la prière ou quoi? Je ne comprends rien. Obi, moi, je vais comprendre, non? Obi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Si tu voyais la nourriture que je viens de manger, mon gars, ce plat, ça m'a rendu très gourmand au point que j'ai mangé jusqu'à la fin. Quel genre de nourriture as-tu mangé cet après-midi? Je n'arrive pas à rien comprendre, mais j'explique-moi un peu, c'est quoi le problème? Ok, d'accord, mon cher Obi. Tu connais celle qu'on appelle Chidima? Chidima. Chidima, non? Chidima. La fille de Mazegou. Tu veux dire cette pauvre fille aveugle? Exactement. C'était délicieux. C'était délicieux au point que je ne savais plus quoi manger ou toucher. Je ne comprends absolument rien de ce que tu dis. Obligé de coucher avec cette fille. Sans blague, cette fille, elle est délicieuse. Attends, mec. Tu veux dire que tu as forcé cette fille à coucher avec toi? Arrête. Moi, je pourrais prendre cette fille. Je l'amène où je vais, quand je vais. Parce que je sais comment s'y prendre. Matin, midi, soir, nuit et minuit. Quand j'en ai envie, je peux prendre cette fille tous les jours, chaque temps et chaque minute. Mec, comment tu es arrivé vers elle? Attends, mec. J'espère que tu ne vas pas regretter l'acte que tu as posé. Je sais ce que je dis, mec. J'espère que tu ne vas pas regretter cet acte plus tard. Ne pars pas tout dévoiler, hein. Je t'ai dit toutes ces choses parce que tu es mon ami, hein. Je t'ai dit vrai, mec. J'espère que tu ne vas pas regretter l'acte que tu as posé. Ça, je t'ai dit. J'espère vraiment que tu ne regretteras pas ce que tu as fait. Dis-moi.
tuer? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, Tudema? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh mon Dieu, Tudema. Hey! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, dis-moi. Seigneur, c'est pas vrai. Amaka, Amaka, viens m'aider, s'il te plaît. Viens m'aider, viens m'aider. Mais pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui se passe? Tu restes là et moi j'ai besoin d'aide. Viens m'aider, s'il te plaît. Mais en quoi ça me regarde? Quelle meurtre! Qu'est-ce que tu es en train de dire? S'il te plaît, viens m'aider, elle va mourir. Amaka, s'il te plaît. Tu es mort. Tu es du mal. Oh mon Dieu, s'il te plaît, viens avec moi. Viens avec moi, s'il te plaît. C'est insensé. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Nandi, si tu ne me dis pas qu'il t'avait envoyé pour violer ma sœur, j'ai juré devant le Dieu puissant. Je vais t'accuser chez le chef du village et il va te jeter un mauvais sort. Tu m'attends. Vas-y, dis-moi qui t'avait envoyé. Tu n'as pas besoin de réagir comme ça, hein? Je ne l'ai pas fait intentionnellement. J'ai juste fait ce qu'on m'avait dit de faire, hein? Non, non, c'était pas un acte intentionnel, je te dis vrai. Dis-moi pourquoi tu as fait ça et qui t'a envoyé? Hé! Hey! J'ai dit qui t'avait envoyé. Attends, attends, attends. C'est ta sœur qui m'avait envoyé. Ma sœur? Quelle sœur? C'est ta sœur Amaka. Amaka? Quand elle m'avait demandé à le faire, j'avais franchement refusé sa proposition. Je l'ai fait parce que elle m'avait promis qu'elle va me donner l'argent. C'est pour ça que j'avais accepté parce que j'avais vraiment, vraiment besoin d'argent. Tu comprends, hein? Donc, Nandi, tu as violé ma petite sœur aveugle? Oh, mon Dieu. Simplement parce qu'elle est incapable de se défendre? Tu es vraiment méchant. Arrête ça. Tu es très arrête méchant. Ça, s'il te plaît. Hein? Toi et Amaka. Oh, mon Dieu. Hey. Je maudis les jours où je t'avais rencontré. Ah, merci. Je regrette de t'avoir connu. Dès aujourd'hui d'ailleurs, je ne veux plus te voir dans notre parcelle ou à côté de ma famille parce que j'en finirai avec toi, j'en finirai vraiment avec toi. J'ai juré au nom de Dieu, toi et Amaka, vous allez souffrir. Ne doute même pas de ça. Toi et Amaka, vous allez souffrir. Ah, s'il te plaît, ne parle pas fort. Un homme méchant. Choma. Choma, regarde, regarde, je ne l'ai pas fait volontairement, s'il te plaît, ne dis à personne. Hein. Hey. Tout ça, c'est à cause d'Amaka. Amaka, mais j'ai refusé à moi. Je suis foutu maintenant. Papa, c'était ce qui s'était passé. Parce que j'étais allé voir Nandi. Et il m'a dit que c'était Amaka qui l'avait envoyé. Je connais bien ma sœur et je sais qu'elle est capable de faire ça. Pourquoi elle peut faire une telle chose? Papa, nous tous dans cette maison, nous savons que cette fille est une sorcière. Elle est diabolique, papa. Donc, je ne dois des explications à personne pour avoir fait cela. Est-ce que tu comprends ce que je dis, papa? Donc, je ne leur dois pas des explications ou à qui que ce soit d'autre. Parce que j'ai vraiment apprécié cet acte. J'étais vraiment aux anges quand cela s'est fait. D'après tout, elle n'est pas utile dans cette famille. Si j'ai besoin d'aider quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, alors pourquoi ne pas le faire? Donc je ne dois pas des explications. Oh, non, ma fille, ne te donne même pas. Et je suis contente de ça. Bien, bien. Oh, donc elle était très contente de l'avoir oui, fait. Oui, papa. Et pourquoi est-ce qu'elle se plaint? As-tu entendu ça? Papa, qu'est-ce que tu dis? Elle vient d'être violée par un violeur. Et la personne qui a planifié tous ces plans, elle est là devant toi. Elle est même très à l'aise. Et tu la soutiens, papa. C'est pas juste. Ce n'est pas bien. Qui t'a dit que Tudema n'a pas aimé cela? Au lieu de condamner ta sœur, va d'abord puiser à la source. Tudema, tu ne t'étais pas réjoui? Allez, réponds. Oh non, laissez-nous tranquilles. Réponds. Laissez-nous tranquilles. Papa, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Elle est toujours en train de pleurer. Tudema, laisse-moi tranquille. Et Tudema que tu vois est ma fille. Mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. C'est elle qui a tué ma femme. C'est du mensonge, papa. C'est du mensonge. Elle n'avait pas tué maman. Maman était juste morte. Ferme ta bouche, Tioma. Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu as à propos de la mort? Qu'est-ce que tu as à propos de la mort? Maman est morte en approchant de cette sorcière. Hein? Et tu es en train de la défendre. Cette fille est une sorcière. Te voilà en train de la défendre.
Je peux voir que toi aussi tu es dans la sorcellerie parce que tu prends la défense d'une sorcière. Amaka. Regardez-le. Amaka, tu es vraiment intelligente, oh. Donc tu as même compris quelque chose de très sensé. Les deux sont maintenant des sorcières. Maintenant, vous deux, et écoutez-moi très bien. Je ne veux absolument pas entendre cette incidence de Chidima en dehors de cette parcelle. Celui qui osera d'en parler à un étranger va subir ma colère. J'espère que je suis clair et je ne vais plus me répéter. À bon entendeur, salut. Ne m'appelez pas papa. Papa, je suis sûr qu'elle en avait pris plaisir. Méchante fille. Je suis convaincu qu'elle en avait pris plaisir. Regardez-le. Bande de folles. Ah, Adé est en train de m'appeler. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Allô? Ada. Ada Nemobi. Ada Beke. Comment tu vas? Ok. Ah. Ok. Écoute, quand est-ce que tu reviendras? J'ai beaucoup de choses à te raconter. Hein? J'ai plein de trucs à te dire. Tu le sais, ma belle. Tu le sais. Écoute, Chibo demande toujours après toi. Il est prêt à mourir pour toi. Mais qu'est-ce que tu as donné à cet homme? Hein? Il m'appelle tout le jour au téléphone. D'ailleurs, je n'en paie plus de ses appels. Hein? Ok. Je comprends, ma belle. S'il te plaît, rentre, tu me manques. Oh! Ada, t'inquiète, ça va, je vais bien. Oui, tout le monde va bien. Ah, c'est bon. Hey, cette fille. Hey, hey, je vais m'oublier là où je partais. C'est bien. Hey! Papa, j'ai faim. Papa, j'ai faim. Tu as faim, non? Je sais que tu as faim. Mais écoute-moi. Avant que nous mangions quoi que ce soit aujourd'hui, allez-y remplir ce tonneau d'eau. Puisez de l'eau et rassurez-vous que ce tonneau soit plein. Et après ça, on verra si vous pouvez manger. Hein? Tchoma, s'il te plaît, et va poser de l'eau. Tu vois, nous sommes en train de manger. Et on a besoin de va nous poser de l'eau pour boire. Papa, on a faim, non? Va nous chercher de l'eau. Nous avons faim. Ma chère, bon appétit, oh. Chidima, avant que je n'oublie, va dans ma chambre et nettoie-la très bien. Demain, j'aurai de visiteurs. En plus, ils sont très riches. Donc, je veux que ma chambre soit propre. Rassure-toi de nettoyer partout. Et rassure-toi de tout arranger. S'il te plaît. Invite mes visiteurs demain. Ne tourne pas autour d'eux. Ne les affecte pas avec ta cécité. Vous l'avez entendu? Non, mais vous l'avez entendu? Et faites ce qu'elle vous a demandé. Alors, il faut très bien nettoyer. Remplissez d'abord le tonneau avant de commencer à nettoyer. C'est-à-dire qu'après avoir puisé de l'eau, vous irez nettoyer la maison. Et ce n'est qu'après ça que nous allons voir si vous pouvez manger. Chioma, va nous chercher de l'eau. Va nous chercher de l'eau, vite. Papa, ce n'est pas bien, oh. Nous avons aussi faim. Allez nous chercher de l'eau à boire. Oh, papa. Pour manger, il faut travailler. Plus vous travaillez tôt, plus vous allez manger. Faites vite, oh. Faites vite. Et comme ça, vous trouverez à manger. Regarde, il faut manger très rapidement, tu comprends? Tu as raison, papa. C'est très délicieux. Tu sais ce qui va leur arriver? La rivière là, elle est trop loin. Elles ne trouveront rien à manger. Ada. Ada Biki. Allez, arrête. Regarde comment tu brilles. Ada, j'adore tes tresses. Et aussi ton teint. Allez, va-t'en. Tu m'as manqué. Tu m'as vraiment manqué. Hey, Ada. Tu m'as laissée toute seule. Toute seule. Je me rendais chez Ouzo seule. Ada. Comment va la famille de ta mère? Ils vont tous bien. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais.
On avait cassé la baraque l'autre fois. Tu as raté. Hey. En tout cas, toi, Ada, tu sais quoi? Tu as beaucoup manqué au chief. Il ne faisait qu'il demandait après toi. Cet homme ne voulait même pas que je puisse lui présenter une autre fille. Ada, dis-moi, mais qu'as-tu fait à cet homme? Il n'y a que toi qui l'intéresse, mais Né, qu'as-tu fait? Hey. Dis-moi, Ada, c'est quoi ton secret? Eh bien, tu sais, j'ai fait encore fort. Je l'ai pris en charge dernièrement. Il était aux anges. C'est pourquoi il ne peut penser à une autre fille. Je t'ai fait confiance. En passant, tu sais, il y a un gars qui m'a invité chez lui. Il a promis de me donner une somme importante. Je ne veux pas aller seule. Okay. Je veux que nous allions ensemble. Ada, tu adores l'argent. C'est bien que tu repris des chaînes. Tu peux encore aller vers une montre? Ada, tu ne te fatigues pas. Ça ne m'a jamais fatiguée, ma soeur. Je travaille pour mon compte. J'ai besoin d'argent, non, pour m'entretenir. Ça va d'accord. Je vais te dire une chose, je te prie de les considérer. Qu'est-ce que tu as à me dire, sorcière d'Aveg? C'est Chief qui t'appelle pour sortir avec lui. Il est occultiste. Il veut utiliser ton sang pour des rituels. Es-tu malade? As-tu perdu tes sens? Pourquoi continuer à vous raconter des mensonges? Sœur Adako, s'il te plaît, ne pars pas. Cet homme est du diable. Ferme ta bouche. S'il te plaît, ne pars pas. Il veut utiliser ta partie intime pour ses rituels. C'est pourquoi tu as promis cette somme d'argent. Pour que tu ailles le voir dans cet hôtel. Elle continue de parler. M'as-tu invité ici pour que ta sœur commence à m'insulter ou quoi? Hey, non, mon ami, s'il te plaît. Dis vrai, c'est pour ça que tu m'as appelé ici. Non, Ada, tu me connais très bien. Tu sais que je ne peux pas te faire ce genre de choses. Je t'en prie, calme-toi, ok? Je sais que tu as un tempérament chaud. Je t'en prie, ma belle, calme-toi. Tu dois l'interdire. Okay. Parle avec elle. Je le ferai, oui. Tidema, c'est toi qui vas mourir. C'est toi qui vas mourir, Tidema. Et pas mon ami, Ada. Regarde-moi le problème. Es-tu malade? Vraiment, c'est insensé de Tidema. C'est toi qui mourras ou pas moi. Mère, qu'est-ce que tu t'en vas? Toi, que ce soit la dernière fois, je ne suis pas ton ami, aveugle, malheureuse. Tu joues avec moi. Tu viens, c'est tout ce que tu racontes là. Tu penses que je suis. Je suis ton ami, imbécile. Mais pourquoi vous la frappez comme ça? Vous voyez maintenant ce que vous l'avez fait. Elle doit veiller sur sa bouche. Tu es contente, n'est-ce pas? Tu as atteint ton objectif. Tu m'as appelé chez toi pour que ta soeur commence à me supplier. Pourquoi vous pouvez atteindre ton objectif, non? Elle va vous finir sur ses idiots. Arrêtez-nous, laissez-la tranquille. Ma belle, je t'en prie. Allez, va-t'en, lâche-moi. Non, ne me parle pas. Ne me parle pas. Tu connais cette sorcière? Désolée, lève-toi. Hein? Désolée, hein? Ma va que je m'oublie. Qu'est-ce que tu as vu faire l'autre fois lorsque Amaka et son ami t'ont frappé? Rien. Et c'était juste parce que je leur avais dit quelque chose. Ah. Et qu'est-ce que tu les avais dit? Il y a un homme qui a invité la sœur Adako chez lui à la maison. Je lui ai dit juste de ne pas aller. D'ailleurs, l'homme en question lui avait promis une somme importante. Pourquoi? Cet homme est un occultiste. Il veut l'utiliser pour de l'argent rituel. De l'argent rituel? Comment l'as-tu su? Oui, je l'ai vu. Tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ma sœur, crois-moi, je l'ai vu. Cet homme est malin. Il veut coucher avec elle pour qu'elle utilise sa partie intime pour des rituels après. Qu'est-ce que tu dis? Et si elle partait là-bas et revenait en vie?
Tu sais ce qu'elle va te faire? J'en suis très certaine, ma sœur. Ce n'est pas toute chose que tu penses et que tu dois lui dire. À un moment, il faut se taire. Ma conscience ne me laissera pas tranquille si je ne le lui dis pas. Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Oh mon Dieu! Ada! Oh! Ada! Ada est morte! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh Jésus! Vas-y, parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Son corps. Son corps a été trouvé. Parle-moi, qu'est-ce qui lui est arrivé? On a retrouvé son corps au marché. Oh, oh mon Dieu, comment? Ils ont enlevé ses parties. Oh, attends. Oh. Elle était allée dans ses tuyaux. Oui. Oui. Ada est morte. Oh mon Dieu. Ada est morte. Ils ont enlevé toutes ses parties de type. Mais je... Ada, je ne l'avais prévenu pour cela. Ada, comment la vie? Ça suffit. Oh mon Dieu. Cette vie. Que son homme repose en paix. Chiduma, tu l'avais plutôt prévenu. Je voulais parler, mais ne voulais pas m'écouter. J'ai vraiment pitié pour elle. Vas-y, dis-moi, comment tu l'avais su? Mon tu ne vas pas comprendre. Pour parler, tu ne comprends pas. Tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras pas. Vas-y, parle-moi, je vais comprendre. En mariage et pour te décevoir après, s'il te plaît, fais attention. M'as-tu compris? Oui, j'ai compris. Tu peux partir. Merci beaucoup. Très bientôt, tu vas rencontrer un homme qui va s'intéresser à toi et qui va demander ta main en mariage. Si ton cœur accepte, il sera à toi. Mais s'il ne le fait pas, il faudra que tu l'oublies. M'as-tu compris? Oui, je comprends. Tu peux partir. Oluchi, ne t'inquiète pas. Ton mari va aller mieux. Merci beaucoup. J'apprécie. De rien. Chomao! Chidima! Mais où sont-elles passées? Oh! Donc vous êtes là? Qu'est-ce qu'il y a, Maka? Comme tu peux le voir, on est occupé. Pourquoi il n'y a pas à manger dans la cuisine? Amaka, il y a tout dans cette cuisine. Va te préparer et bas et mange. Qu'est-ce que c'est? Hey! Que j'aille dans la cuisine me faire à manger? Pendant que tu es là, réalises-tu que je suis ta grande sœur? Amaka, s'il te plaît, calme-toi. Tu es en train de les déranger. Donc, vous avez transformé ces lieux à une maison de guérissière, c'est ça? Hein? Regardez celle qui s'est fait passer pour une voyante. Occupée en faisant quoi? Amaka, calme-toi, non? Tu les déranges. Je les dérange. Qui est cette femme? Mais qui est-ce que je dérange? Hein? Ma chère Dégrâce,
calmez-vous. À qui est-ce que vous parlez? Hein, madame? À qui est-ce que vous adressez? Qui vous a invité dans cette affaire? Amaka, s'il te plaît. La ferme, laisse-moi finir avec elle. Qui vous a invité dans cette affaire? Hein? Ne dites plus rien, madame. Mais calmez-vous. Calmez-vous, madame. Madame, qui êtes-vous? Allez, sortez de cette parcelle. Sortez avant que je ne vous renverse de l'eau chaude. Disparaissez, madame. Ne vous inquiétez pas, je m'en vais. C'est ça, casse-toi. Eh oh, demoiselle, à la cuisine. Je n'irai nulle part. Tu n'iras nulle part, c'est ça? Bande de sorcières. Va dans la cuisine tout de suite, je ne plaisante pas. Je n'irai nulle part. Si tu veux, tu peux commencer à crier maintenant, jusqu'à demain. Tu es une femme, alors prépare ça toi-même. Hein? Tu n'iras nulle part, c'est ce que tu me dis? Papa reviendra. Dès que papa sera de retour, je t'accuserai. Même cette sorcière là-bas derrière. Ne vous inquiétez pas. Regarde-moi ces oiseaux de même plumage. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Tais-toi. Chioma, oui. Sont-elles toutes parties? Oui, toutes parties. Mais t'inquiète pas, elles vont revenir. Je l'espère bien aussi. Oui, espérons seulement. Chioma, papa. Je t'ai averti à plusieurs reprises. Tu l'as encore répété ce soir? À combien de reprises je t'ai interdit d'amener des gens ici? Au nom de quoi que ce soit? Papa. Papa, ces gens ont besoin d'aide et nous voulons les aider. Vous les aider? Oui. Êtes-vous Mère Thérésia? S'ils veulent de l'aide, qu'elles aillent à l'hôpital, à l'église ou chez les herbalistes. Je n'ai pas l'air d'être drôle. C'est mon dernier avertissement. Tu as des mains? Oui, papa. Écoute-moi. Ceci est mon dernier avertissement. Si tu n'as rien à faire, va dormir. N'ose jamais, jamais faire ce que tu avais fait aujourd'hui. Si je reviens ici et que je vous trouve avec ce genre de personnes, je vais vous embraser toutes. Est-ce que tu comprends? Oui, papa. Très bien. Papa, j'aurais appris que ces gens les remettent de l'argent. Ils remettent de l'argent à ces deux filles. Elles font de l'argent dans cette maison en douce. Elles ont de l'argent, elles font du business. Chioma. Papa. Où est l'argent qu'on vous avait payé? Par quel argent? Hé! Hey. Et moi? Mais oui! Où est l'argent qu'on vous a payé? Papa, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais tu l'as très bien entendu, non? On ne vous a pas payé? Papa, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que je veux dire qu'il n'y a pas d'argent? Où est l'argent qu'on vous a payé? Et tu te dis, où est l'argent qu'on vous a payé? Amaka? Papa? Tu sais ce qu'il faut faire maintenant? Oh. Tu vas entrer dans cette maison. Mm-hmm. Cherche dans leur sac. Cherche partout. Dans toute la maison, de haut en bas. Apporte-moi tout ce que tu auras vu comme argent. Apporte-les ici maintenant. Tout ce qu'elle va apporter comme l'argent, je vais les saisir. Vas-y. Oui, papa, c'est ça. Apporte-moi cet argent. Oh! Anakunukununake! Hein? Vous êtes toutes deux méchantes, oh? C'est comme ça que tu es, Chioma. On vous donne l'argent et vous les cachez à votre père. Ah! Ah! Aucun problème. Cherche partout, cherche partout. Tout ce que tu verras comme argent, apporte-le ici. Papa, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Et regarde-moi cette bouche qui parle. Et tout ce qu'elle apportera comme argent, ou vous oubliez cet argent, je vais le saisir. Et vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous le cachez à votre père. Et après, vous m'appelez papa, papa, papa. Vous êtes vraiment des méchantes. Papa, j'ai fouillé partout, je n'ai rien trouvé. Ces filles sont une sorcière. Il n'y a pas d'argent dans cette maison. Elles ont sûrement dû le cacher quelque part. Chioma, où est passé l'argent? Les gens que vous amenez ici vous ont payé. Papa, comme je l'avais dit, il n'y a pas d'argent. De toutes les façons, on a tout utilisé. Tu entends? Donc il est vrai qu'on vous a payé. On vous a payé, vous avez utilisé cet argent. Donc c'est comme ça que vous vous comportez. Donc c'est bien vous. Vous m'avez montré vos réels visages. On vous a payé de l'argent et vous l'avez utilisé. Donc cela signifie que vous pouvez vous nourrir, non? Exact. Vous pouvez vous prendre en charge. À dater d'aujourd'hui, vous deux, il n'y aura plus de nourriture pour vous pour 3 jours. Parce que vous pouvez vous prendre en charge. Utilisez cet argent et continuez à vous prendre en charge. Parfait. 3 jours, pas de nourriture pour vous. Regarde-toi. Hein? Regarde-toi. Tu crois qu'on va mourir?
Hé, hey, mais ma sœur, comment allons-nous manger? Ah ah, je dis ma, ne t'inquiète pas. Ils sont en train de s'amuser. Ne suis-je pas celle qui prépare dans cette maison? On mangera même avant eux-mêmes. Ne les suis pas. Papa et Amaka ne préparent pas dans cette maison, alors ne les suis pas. Contente pour toi, Adougou. Donc tu es occupée et prête à te marier. Oui, oh. Cette bague est vraiment jolie. Ah, merci. Alors, qui est cet homme et comment il s'appelle? Il s'appelle Ekene, le fameux ingénieur. Il habite la ville. Il est venu ici juste à cause de ses business. À cause de sa générosité, son chef lui a offert une maison où il va habiter pendant un temps. Chi, comment es-tu au courant de tout ceci? Sœur Adougou, ne te laisse pas être trompée par Ekene. C'est un homme marié avec 3 enfants. Ils habitent tous en ville. Il veut t'épouser juste pour devenir le beau-fils de ton père. Il est attiré par son influence. Es-tu sérieuse? Ada, c'est vraiment sérieux. Tu dois vite courir pour aller dire à tes parents. Parce que je sais que peu importe ce que ma sœur dira, c'est la vérité. Tu dois vite aller et le dire maintenant. Chi, es-tu sûre de ce que tu m'as dit? Elle est vraiment sûre. Parce que elle voit tout ce qui doit arriver. D'accord. Oui, je le ferai. Chidima, es-tu vraiment sûre? Je suis très sûre. Je prie qu'elle ne fasse pas une erreur. Chidima, je crois que la nourriture est délicieuse. C'est très délicieuse. Oya, prends de l'eau, ok? Je reviens. C'est quoi ça? Papa, papa, tiens-moi aujourd'hui. Ma sœur, je vais te tuer. Je vais te tuer aujourd'hui, sorcière. Donne-moi ça, idiote. Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais te tuer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas de moi. Je vais la tuer aujourd'hui. Donne-moi ça. Ne t'approche pas. N'ose pas. Tu vas tuer idiote. Tu vas tuer qui? Je te dis, toi, tu es qui? Tu es malade, hein? Je te punirai. Voir aujourd'hui. Ne me pousse pas à faire quelque chose de mal. Arrête de faire de bêtises. Arrête, ma maman. Je dois la tuer. Amaka, Amaka, tu comptes mes problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me touche pas. Ekene, pourquoi tu m'as menti? Ekene, pourquoi tu pouvais me mentir? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Écoute, la vérité que si je t'avais dit que je suis marié, tu n'allais pas accepter de m'épouser. Je suis désolé, Ekene, s'il te plaît. Est-ce que tu m'aimes réellement? Non, tu ne m'aimes pas, Ekene. Tu ne m'aimes pas. Tu es marié, Ekene. Avec 3 enfants. Ah, Ekene. Pourquoi tu peux me faire ça? Adougou,
S'il te plaît, je suis vraiment désolé. Je t'aime. Mais comment est-ce que tu sais tout ça? Kenny, je crois que je n'ai pas envie de te dire quoi que ce soit. Sache que c'est ma famille qui va s'en charger de toi. Attends, tu as dit à tes parents? Je le dirai à Igwe et à tout le jeune de cette communauté. S'il te plaît, pardon, ne fais pas tout ça, je t'en supplie. Ekene... Pardon, ne fais pas ça, hein, s'il te plaît. Ekene, tu es stupide. Au fait, je ne suis plus intéressée à ce stupide mariage. Insensé que tu es. Hey! Insensé. Adugo, pardon, non? Hey! Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Et comment est-ce qu'elle sait tout ça? Hey! Choma, Choma, hey. Choma, Choma, attends, non? Choma... Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai appelé, mais tu me répondais pas. De toute façon, comment vas-tu? Comme tu peux bien le voir, je vais bien et en bonne santé. Choma, comment va ta sœur? Chidima. Nandi, qu'est-ce que tu veux de ma sœur cette fois? Ou ils t'ont encore envoyé? Non. Non, personne ne m'a envoyé pour faire quelque chose. J'ai changé, je suis plus comme avant. Est-ce que tu as entendu? Entendre quoi? Ah, la nouvelle qui s'est propagée dans ce village. Ils disent que ta sœur est une voyante, qu'elle peut parler du futur. Namdi, je te connais comme étant un voleur au marché. Je ne savais pas que tu as rejoint le groupe de commérage. Tu n'as vraiment rien de mieux à me dire. Alors laisse-moi partir. Ah, ne sois pas comme ça. Je veux juste la voir pour confirmer si c'est vrai ou pas. Je comprends pourquoi tu agis comme ça, Choma. Je sais que je fais beaucoup de tragédies dans votre famille. À toi et à ta sœur, et je regrette pour ça. Mais je veux juste que tu puisses m'aider. T'aider en faisant quoi? Choma, ma mère est malade. Et nous l'avons amenée presque dans tous les hôpitaux, mais... Même chez les guérisseurs. Mais personne n'a pu essayer de donner la solution à son problème. Tu sais, regarde-moi maintenant. Toi et ta sœur, vous êtes mon dernier espoir. Mais tu peux pas laisser ma mère mourir, non? La dernière fois que j'ai vérifié, ma sœur n'est pas une guérisseuse. Alors pourquoi tu la cherches? Hey, mon Dieu, c'est pas comme ça, hein? Choma, je te dis, j'ai vraiment changé. J'ai vraiment changé. Je t'en supplie de m'aider à amener ma mère voir ta sœur. Je t'en supplie. Ne le fais pas pour moi, mais pour la maladie de ma mère. Je vais t'aider à cause des dieux et de ta maman. Merci. Tu peux venir avec ta mère. Hein? Si. Tu dis que je peux amener ma mère? Oui, c'est ça. Je peux l'amener. Hey! Maman! Maman! C'est tout ça, Fifi. Arrête de pleurer. Ça va aller. Ada, s'il te plaît, arrête de pleurer. Ce n'est pas la fin du monde pour toi. Arrête de pleurer. Comment? Dis-moi comment. Ada, arrête. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Rappelle-toi, il a toujours été dit. Qu'importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Arrête de pleurer. Ça va aller, ma belle. Okay? Je vais mourir. Mourir?
Est-ce que tu vas bien? Non, tu ne peux pas mourir. Tu veux vraiment mourir à cause de cet homme? Juste à cause de cet homme, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Tu ne vas plus te marier. Arrête de pleurer. Une bonne personne viendra, t'inquiète. Ok? Ça suffit. S'il te plaît. Sois forte. Ada, s'il te plaît, arrête ça. Non, je reviens. Laisse-moi aller appeler Chivu. D'accord, dépêche-toi. Ne traîne pas, dépêche-toi. Ada, s'il te plaît, arrête de pleurer. Sois forte. Arrête. Je sais que c'est trop dur. Mais s'il te plaît, écoute-moi. Arrête de pleurer. Ça va aller. Ça suffit, s'il te plaît. Ça ira. Ça suffit. S'il te plaît. Ne pleure plus, d'accord? Je serai là pour toi. C'est tout. Ça va aller. Je suis là. Ça va aller. Ok? Dieu va punir cet homme. Dieu va vraiment punir cet homme. Ok? Il te donnera un autre homme. Ça suffit. Ça suffit. C'est bon. Ça va aller. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, ma? Chioma? Où sont ces mystérieuses filles? Chioma? Monsieur? Oh, Dieu, ces enfants. Chioma? Qui d'entre vous a volé mon argent? Papa, ton argent, quoi? Je ne l'ai pas volé. Oh. Tu ne l'as pas volé? Papa, je ne l'ai pas fait. Toi non plus? Alors, qui est-ce qu'il a volé? Papa, je ne sais pas où. Hein? Oui. Donc, mon argent, c'est fabriquer des ailes et vous dites que vous n'en êtes pour rien. Chiamaka! Papa! Oh, Maka! Regarde-moi! Les merveilles ne finiront jamais! Qu'est-ce qu'il y a? Les merveilles ne finiront jamais, ma fille! Mon argent que j'avais gardé juste là dans mon manteau! Je ne le retrouve plus! Et ses filles sont en train de me dire que mon argent s'est créé des ailes pour s'envoler! Ah ah! Dans cette maison? Dans cette maison, non? Ces filles me veulent vraiment la mort! Et elles me rendent vulnérable! J'ai gardé cet argent moi seul! Tiens, Maka. Monsieur. Va dans leur chambre. Cherche dans leur sac. Va voir si je veux trouver de l'argent là. Tout de suite. Voleuse. Papa, on n'a pas pris ton argent. Taisez-vous. C'est la nouvelle théorie qui stipule que de l'argent gardé dans la maison, c'est produit des jambes et commence à marcher. De l'argent que j'ai gardé moi-même. Papa, je suis foutu. Tu l'as vu? Papa. Je suis foutu. Chidima la voleuse. Chidima, tu n'es pas seulement aveugle, tu n'es pas seulement une sorcière, mais aussi une voleuse. C'est ça, papa. Dans son sac. Mais c'est mon argent, non? Dans son sac, papa. C'est de l'argent, non? C'est quoi ça? C'est mon argent. C'est vraiment mon argent. La somme exacte, c'est 2000. Imagine. Hein? Papa, comment je peux voler ton argent, moi qui suis aveugle? Tais-toi. Est-ce que tu voles avec les yeux, n'est-ce pas avec les mains? Papa, moi je n'ai pas volé ton argent. Va me chercher un fouet. Va me chercher vite un fouet. Ça va être odieuse. Ce n'est pas moi. Voilà ce que je veux faire. Je veux prier pour elle. Papa, comment tu vas accuser quelqu'un qui ne voit pas? Non, mais tais-toi. Je pousse à commencer par toi. Mais pourquoi est-ce que tu es à Maka? Sois rapide. Papa, c'est quoi la chose que tu as envoyée à Maka? Tu parles à sa place. N'est-ce pas toi la personne qui a caché l'argent dans son sac? Tu es à Maka? Papa, j'arrive. Mais voici. Prends-le. C'est très dur, papa. Es-tu sûr que ce n'est pas elle qui a planifié tout ça? Que Dieu te punisse. Que Dieu te punisse. Que la foudre s'abatte sur ta bouche. J'ai dit la vérité. Tu ne peux pas commencer par toi. Ne m'épouse pas, commencez par toi. Allez, Choma! C'est qui? Choma! C'est qui? C'est qui appelle Choma? Nani, qu'est-ce que tu fais ici? Je te pose la question, qu'est-ce que tu fais ici? Choma,
Je sais que je ne suis pas la personne que tu attendais voir chez vous. S'il te plaît, garde tes explications pour toi-même. Va-t'en de notre parcelle maintenant. Tiens-moi, s'il te plaît. Je ne suis pas ici. Je ne suis pas venu ici pour faire quelque chose de méchant. Regarde-moi, s'il te plaît. J'ai vraiment changé. Ça ne concerne que toi-même. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour m'excuser auprès de Chidima. Après tout ce que tu lui avais fait? Je sais. Et c'est pourquoi je suis venu ici. C'était une erreur. Oui, c'était une grosse erreur qui a dû coûter à ma vie. Et c'est grâce à toi et Chidima ici. Je fais ce qui est irréparable. Mais maintenant, ma mère est vraiment malade. Au point qu'elle pourrait mourir. Regardez-moi. Chidima, s'il te plaît. Je suis ici pour avoir ton pardon. Je sais que je t'ai fait vraiment souffrir. Et je ne veux pas que tu me voies de la sorte. S'il te plaît. Chidima, ne faut même pas l'écouter. Je t'en supplie. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Chidima, ne l'écoute pas. Après tout ce qu'il t'avait fait, ne l'écoute pas. Maintenant, j'ai un nouveau job en ville. Je ne chasse plus. Je ne vole plus. Je suis une personne complètement changée. S'il te plaît. Choma, s'il te plaît. J'étais déjà pardonnée. Quoi? Il y a longtemps. Chidima. Je suis contente que tu deviennes une nouvelle personne. Chidima, merci beaucoup. Cet acte représente beaucoup pour moi et j'ai apprécié. Merci beaucoup. Je te promets que je ne serai plus jamais comme j'étais auparavant. Merci. De rien. Chidima, attends, tu l'as pardonné? Après tout ce qu'il t'a fait? Choma, ne sois pas dans le passé. Et toi, est-ce que tu m'as pardonné? C'est bon, je te pardonne. Pardonne-moi, hein? Je t'ai pardonné. Alors, est-ce que c'était difficile? Regarde-moi, tu vois, maintenant j'ai changé. Ma fille, s'il te plaît, aide-nous. S'il te plaît, je te prie pardon. Il est resté malade, allongé comme ça, ça fait déjà beaucoup de temps. Tu peux faire quelque chose? Aide-les à guérir. Je l'ai amené dans différents hôpitaux, mais il n'y a pas toujours de changement jusqu'ici. Aide-nous, s'il te plaît. Les gens m'ont demandé de l'amener chez un voyant. C'est pourquoi je suis venue te voir, ma fille. S'il te plaît. Qui est avec mon mari? Pardon. Ton mari s'est fait contaminer de cette maladie par ses mauvais mouvements. Il couche avec des prostituées. Il te bat. Il ne prend pas soin de toi ni de tes enfants. N'est-ce pas vrai? Oui, c'est vrai. Le seul moyen pour lui d'être guéri, c'est de te demander pardon. Il doit promettre de ne plus rentrer dans ces mouvements maléfiques qu'il fait avec toutes ses filles. Il doit promettre de prendre soin de toi et de tes enfants. Nduka, es-tu prêt à faire ça? Amène-les à la maison. Ferme toutes tes portes et tes fenêtres. Il va présenter ses excuses devant toi et tes enfants. Si tu lui pardonnes, il sera guéri. C'est tout ce qu'il y a à faire. Oui. Amène-les à la maison. C'est bon. Merci.
merci, oh, ma fille. Merci beaucoup, oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te soit favorable, ma fille. Je reviendrai. Je reviendrai pour vous témoigner ma reconnaissance. Je reviendrai. Merci beaucoup. Oh. Maman, et ça oh. suffit. Arrêtez et, de pleurer. Et oh. Faites juste ce que vous êtes demandé de faire. Tout ira mieux. D'accord, d'accord, ma fille. Que Dieu soit avec toi. Merci. Hey. Hey. Amaka, honte à toi. Honte à toi. La honte. Hey. Amaka. Amaka, qu'est-ce que tu as fait? Tu as contracté le VIH. Qui est connu de tous comme une maladie incurable. C'est ce que tu as pu contracter, oh. Tchaï. Donc, tu sais de me dire que depuis tout ce temps, tu faisais toutes ces choses étant non protégé. Hein? Donc, tout celui qui vient vers toi, tu lui ouvres tes jambes. Il s'apprend de ta protection. Et maintenant, tu es contaminé. Hein? Honte à toi. Je sais même pas où commencer. C'est comme ça que Jésus me payait. Pendant tout ce temps, je pensais que ma fille était sage. Comment pouvais-tu faire ce genre de choses? Regarde ce genre de honte que j'ai jeté sur la famille. La disgrâce. Rien que la disgrâce sur laquelle tu as jeté notre famille. Je suis vraiment déçu de toi. La honte, Eze. La honte. Papa. Hey. Papa, comment oses-tu me crier dessus? Comment oses-tu parler de ma sorte? Tu es méchant. Tu es méchant, papa. Tu ne mérites pas de vivre. Tu m'as encouragé. Tu m'as encouragé dans ce business, oui. J'ai nourrissé cette famille depuis la mort de maman, grâce à mon corps. Avec ses corps, papa. Et qui te soutenait? Nous disions que tu devrais te protéger. C'est ce que je disais. Et tu as fait du sexe non protégé. Tu m'as fait donner ton consentement. Comment peux-tu être si méchant? Tu es méchant, papa. Tu ne m'avais pas interdit. Maintenant, regarde ma fille, papa. Hey. J'espère que peu importe où ma mère se trouve, peu importe où elle se trouve en ce moment, elle est très en colère contre toi. Tu es très méchant. Tu es méchant, papa. Tu m'as trompé. Tu m'as trompé, papa. Je te déteste. Je te hais, papa. En tout cas, je regrette de t'avoir comme papa. Oh Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ce que je te dis, c'est que tu as abusé. Tu as vraiment abusé. Et regarde ce que tu racontes. Je pensais que je comprenais le game. Comment peux-tu? Tout homme qui vient vers toi, tu t'ouvres à lui. Et qu'est-ce qu'ils font? Toutes ces choses-là à l'intérieur de toi. Ne savais-tu pas qu'il devait porter quelque chose? De telle sorte que vous puissiez vous protéger. Hein? Ina, ça y est, Ina, ça y est. Et tout homme qui refusait de démettre cette chose, tu devais te fermer. Fermer ces jambes, te fermer. Mais tu t'es laissé comme ça. Et voilà, tu as les VIH. C'est de la contamination qu'on parle ici. Et là, te voilà en train de parler du soutien. Oui, je te soutenais. Mais cela n'excluait pas le fait qu'il devait te protéger. Papa, oh Dieu, donc si je ne trouve pas ce médicament, si je ne prends pas ce médicament, donc je vais mourir à cause de toi, papa. Oh Dieu, non, comment as-tu pu ruiner ma vie comme ça? Peu importe, je vois ton vrai visage, donc à présent, Amaka sera obligé de prendre tous les jours les médicaments. Ce que je te dis, c'est que tu ne dois pas arrêter. Etienne, oui, Fanao. Etienne, oui, Fanao. Hein? Je te regardais pendant tout ce temps, sachant que tu étais très sage. Hein? Et pourquoi est-ce que tu devais te mettre à écarter tes jambes à tout le monde comme ça? Hein? Pendant tout ce temps, je me disais qu'il n'était pas important de t'appeler parce que tu maîtrisais le game. Ma vie s'est envolée. Pendant tout ce temps, je t'ai laissé agir parce que tu es une grande personne et que j'étais tellement sage à toi. Hein? Regarde-toi, je pensais que j'étais sage, mais regarde ce que tu as commis comme bêtise. Toi, tu te dis du n'importe quoi. Regarde-toi maintenant. Hein? Tu constitues ma honte. Hein? Et bizarrement, tu as honte de moi. Hein? Si je ne savais rien, tu m'aurais demandé, non? Hein? Ah. Dieu. Mon Dieu. Hey. Mes sœurs auront honte de moi maintenant. J'ai prié pour qu'elles me pardonnent. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es
Je viens vous demander pardon. Toutes les deux. Je suis vraiment désolée, les filles. Et surtout à toi, Chidima. Je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait. Je suis désolée pour ne pas être une bonne sœur pour toi. Je suis désolée de t'avoir traité de tous les maux. Je suis désolée pour tout. Je suis désolée pour ne pas être la mère que tu as toujours cherchée. Je suis désolée pour ne pas avoir pris soin de vous. Désolée pour ne pas être la gentille sœur. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'était le zèvre du diable. Je vous en prie, pardonnez-moi, pitié. Ça suffit, grande sœur. Nous t'avons pardonné. Pas de problème, ma sœur. Je te pardonne. J'ai promis d'être une bonne sœur. J'ai changé, oui. Je ne verrai plus la prostitution. Je vais commencer à aller à l'église, oui. Et je sais que Dieu au ciel va aussi me pardonner. Je vous promets, Elvie, d'être une bonne sœur. Je suis très désolée. Je promets de vous aimer. Mes sœurs chéries, qui vous êtes. Ça suffit, grande sœur. Lève-toi. Nous t'avons pardonné. Ça suffit. Merci. Ça suffit. Merci. Ça va aller. Tout va s'arranger. S'il vous plaît, je vous demande pardon, mes filles. Pardonnez-moi pour tout ce que je vous ai fait. Je sais très bien que je n'ai pas été un bon père pour vous. Pardonnez-moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Chidima. Papa. Je suis désolé. Désolé, mon fils. Pardonne-moi pour cette maltraitance. Pour t'avoir traité d'eux. On dit que tu étais sorcière. Je me prie que ma fille. Je te fais pardonne ton père. Pardonne ton père du fond de mon cœur. Pardon. Papa. Nous te pardonnons. Merci, mes filles. Merci. Merci. C'est bon. Ça suffit. Oh, mes filles. Nous sommes venus pour vous remercier pour ce que vous avez fait à ma famille et moi. Vous savez que j'étais vraiment comme une personne mourante. Boum, je suis redevenu normal. Oh oui. Ouais, maintenant je suis très fort. Régénéré, hein? Je suis vraiment content, hein? Merci beaucoup. Merci, ma fille. Je vous en prie, maman. Merci. Nous avons apporté quelques présents pour vous témoigner notre reconnaissance. Oui. Je suis contente que votre famille soit en harmonie maintenant. Bon, mes enfants sont en route. Hein? Jama. S'il te plaît, tu me suis vers ma voiture pour que nous puissions vous donner toutes les marchandises que nous avons apportées oui. pour vous. Hein? Oui. Le riz, le maïs. Tout ce que nous avons apporté. S'il te plaît, suis-nous vers la voiture. Mais, viens avec moi. Hein? J'arrive, laisse-moi le Ok. Bye bye. Ma fille, comment va ton père? Il va bien.